Le temps passe, je grandis et les choix se posent. YAS suppose qu'il est temps qu'on t'observe de jouer à ce poste. Comme deux aimants qui se repoussent et de là se haïssent. Mais ils vivront ensemble jusqu'à ce que l'un ou l'autre réalise que l'un ne va pas sans l'autre. Chacun a besoin de l'autre, il ne peut en être autrement. Les deux font partie du même corps. Qui a raison, qui a tort, ce que l'un n'a pas, l'autre là. Tous les deux sont faibles autant que tous les deux sont forts. Fini le temps où j'allais bien, où j'étais un petit démoniaque. Quand ton psy a pris trop de place, du coup je suis devenu paranoïaque, hypochondriaque. Je m'invente des symptômes, devenu insensible. Donc il est temps que j'arrête le massacre. Séquestré à la morgue, mon bien-être respire mal, étouffe grave, imprégné d'odeur, sale au manque d'hygiène. Un bout de temps que je n'ai pas vu le soleil briller. Même s'il s'est mis à pleuvoir, je compte vivre parce que la vie je l'aime. Autant que j'aime cette femme qui m'a donné des ailes, une de celles qui reste accro. Quoi qu'il arrive, le cœur toujours en selle, attaqué. Quand l'amour ne se justifie plus par les mots, l'évidence prend place. Le silence se fait beau. Autopsie n'a rien à faire dans ce paysage du gâchis, comme un rajout sur le tableau de Leonardo. Chacun a sa place, qu'il reste à la morgue et que YAS renaisse de parmi les morts. Le temps passe, je grandis et les choix se posent. YAS suppose qu'il est temps qu'autopsie arrête de jouer à ce poste. Comme deux aimants qui se repoussent et de là se haïssent. Mais ils vivront ensemble jusqu'à ce que l'un ou l'autre réalise que l'un ne va pas sans l'autre. Chacun a besoin de l'autre, il ne peut en être autrement. Les deux font partie du même corps. Qui a raison, qui a tort, ce que l'un n'a pas, l'autre là. Tous les deux sont faibles autant que tous les deux sont forts. Je ne sais jamais vraiment qui parle, est-ce moi ou lui? Tellement emprisonné par le scalpel que je me détruis. Je ne pense qu'à lui céder tout mon temps libre, céder à ses caprices comme un membre devant ses friandises. J'en subis une telle emprise, je ne peux plus vivre l'instant présent qu'à travers lui. Il est bien trop fort pour que je m'enfuis. J'adore faire du rap, mais pas à ce stade d'addiction. Trop de pression qui fait que ma santé s'aggrave. Autopsie, tape sur le système, j'ai essayé de lâcher l'affaire. Lui dire, laisse-moi faire, au fond ce ne sont pas tes affaires. Je faisais appel à ses services, assis seul dans ma chambre. Je me suis rendu compte qu'il en a plus que moi entre les jambes. J'ai rien d'un mec méchant, mais autopsie est trop alléchant. Dangereusement ambitieux jusqu'à s'inscrire dans la légende. Je l'entends murmurer, je fais partie de toi. Mais il n'est sûrement pas la meilleure partie de moi. Le temps passe, je grandis et les choix se posent. YAS suppose qu'il est temps qu'autopsie arrête de jouer à ce poste. Comme deux aimants qui se repoussent et de là se haïssent. Mais ils vivront ensemble jusqu'à ce que l'un ou l'autre réalise que l'un ne va pas sans l'autre. Chacun a besoin de l'autre, il ne peut en être autrement. Les deux font partie du même corps. Qui a raison, qui a tort, ce que l'un n'a pas, l'autre là. Tous les deux sont faibles autant que tous les deux sont forts. Je l'étais hier, je le suis encore aujourd'hui. Le fait de se sentir bien folle mérite rien n'est gratuit. Je me suis trop longtemps caché derrière des masques jusqu'à en garder la forme. Mon rap ne pousse pas la frappe pour garder la perdu mort. Dans mes pensées, je l'étais hier, je le suis encore aujourd'hui. Le fait de se sentir bien folle mérite rien n'est gratuit. Je me suis trop longtemps caché derrière des masques jusqu'à en garder la forme. Mon rap ne pousse pas la frappe pour garder la forme. Autopsie est devenu le bras droit d'YAS. J'aurais dû voir ses griffes derrière ses caresses. Il n'avait pas l'intention de me rester fidèle. Se déploie comme une tumeur qui passe inaperçue à l'IRM. Il ne fait que convoiter le trône, aveuglé par la prise du pouvoir. J'ai affaire son chrome, c'est une affaire d'homme. Je vais pas en faire une tonne, le message est clair. Autopsie, tu n'as plus de raison d'être, alors je te prierai de te taire. Les deux extrémités d'une même personne, l'équilibre. Si l'un des deux meurt, je doute que le deuxième survive. Autopsie, la face émergente de l'iceberg. YAS, la face cachée de l'iceberg. Le temps passe, je grandis et les choix se posent. YAS suppose qu'il est temps qu'autopsie arrête de jouer à ce poste. Comme deux aimants qui se repoussent et de là se haïssent. Mais ils vivront ensemble jusqu'à ce que l'un ou l'autre réalise que l'un ne va pas sans l'autre. Chacun a besoin de l'autre, il ne peut en être autrement. Les deux font partie du même corps. Qui a raison, qui a tort, ce que l'un n'a pas, l'autre là. Tous les deux sont faibles autant que tous les deux sont forts. Le temps passe, je grandis et les choix se posent. YAS suppose qu'il est temps qu'autopsie arrête de jouer à ce poste. Comme deux aimants qui se repoussent et de là se haïssent. Mais ils vivront ensemble jusqu'à ce que l'un ou l'autre réalise que l'un ne va pas sans l'autre. Chacun a besoin de l'autre, il ne peut en être autrement. Les deux font partie du même corps. Qui a raison, qui a tort, ce que l'un n'a pas, l'autre là. Tous les deux sont faibles autant que tous les deux sont forts.